L'aviron bayonnais, certainement l'affiche rêvée, son Jean Daugé en feu face au Stade français dans un match de reprise du top 14, bien sûr, en début d'après-midi, après la Coupe du Monde. Et les bayonnais un petit peu fébriles dans cette première minute de jeu. On se fait pénaliser l'occasion pour Joris Segond, le demi d'ouverture, ancien joueur d'Aurillac, de passer la première pénalité avec Laurent Labitte, qui a déjà pris ses fonctions au sein du staff parisien. Les Bayonnais, vous les connaissez, ils sont chez eux, ils sont surpuissants, ils vont concasser les Parisiens, et surtout avec ce mol pénétrant extraordinaire. Et à la conclusion, Facundo Bosch avec un stade qui exulte. Évidemment, les avants, superbe travail de sape de l'aviron bayonnais. C'est aussi beau hein, qu'un cadrage débordement, effectivement, prise de Kassim. Les Parisiens ne se sortent pas, mais sont secoué par la puissance. Et regardez la cellule de 4 joueurs qui arrive plein fer dans l'embut au soutien de Facundo Bosch. Même le demi de mêlée Machenot, Maxime de prénom, constate les dégâts. Et les Parisiens se sont fait drôlement secouer sur ce ballon porté. 7-3 pour Bayonne qui continue son effort dans l'axe. Situation davantage en cours sur un hors-jeu, on l'a entendu avec monsieur l'arbitre. Les Bayonnais essayent de jouer l'extra-ball, mais ça ne donnera rien. Alors, donc on revient à la pénalité. Et Camille Lopez rajoute 3 points de plus. Seconde période, ça continue, la déferlante. Les Bayonnais sont déchaînés. Toujours des arrivées, des bonnes courses à hauteur pour aller chercher des avantages et mettre à la faute les Parisiens. Un peu trop à la faute d'ailleurs, les Parisiens. Qui n'existe pas, avec Camille Lopez qui rajoute 3 points de plus. Ils essayent les Parisiens, hein. Il n'y a pas que du négatif, mais la puissance est là. Regardez de nouveau une nouvelle situation où les avants perforent et performent. Ils restent dans leur schéma de gelée bayonnais, un nouvel avantage. La victoire se dessine à l'heure de jeu pour cet aviron conquérant. Qui avait certainement très faim de rejouer au rugby et de satisfaire son public. La dernière chose à faire, c'est de passer cette pénalité. C'est bien fait et bien réalisé par Camille Lopez. Et une victoire de Bayonne en ouverture de la reprise de ce top 14 après la Coupe du Monde face à des Parisiens qui vont se remettre en question pour revenir fort dans ce championnat.